Vous avez été très nombreux pour la première vidéo. Je tiens à vous remercier. 1, 2... Alors aujourd'hui, on va parler du décalage. Le décalage, ça peut arriver dans plusieurs domaines. L'humour décalé. C'est le mec qui fait plein de vannes et on le comprend jamais. Je sais pas si ça vous arrive ça parfois. Moi, ça m'arrive parfois. Un peu. Beaucoup. Tout le temps, ouais, ok, d'accord, bon. Hey, Paul, tu te la joues, quoi? Ça t'étonne? Faudrait pas que tu te fasses couillonner. C'est drôle. Oui, bonjour monsieur, ce serait pour un renseignement, s'il vous plaît. Dites-moi. Moi? Hein? Je vous dis que je veux un renseignement. Vous dites... Dites-moi. Moi? Hein? Le café. Alors si tu n'aimes pas le café, moi personnellement je déteste le goût du café. Bah, le café j'aime pas ça. N'aime pas le goût, donc ça c'est pas ma faute. Que ce soit les bonbons, les religieux, tout ça. En France, si on ne boit pas de café, c'est l'enfer. Partout où je vais. Prends un café! Tu veux un café? Prends un café! Tu veux un café? J'aime pas le café en fait. Non mais tu veux autre chose. Une tisane peut-être? Une tisane? J'ai pas soif. Le décalage c'est terrible parce que le seul crime que tu as, c'est de vouloir être toi-même quoi. Le pire, c'est que tu serais presque à t'excuser de pas aimer le café, de pas avoir envie de fumer, de pas avoir envie de boire de l'alcool. Et donc, tu as une telle pression que finalement, on devient tous des moutons et on fait tous la même chose. N'importe quoi, ta vidéo, là, tu crois que parce que monsieur, il fume pas, il boit pas, qu'on est tous des moutons, bah... Mais je t'emmerde grave, petit con, bah... Hein, t'as du café? Ah bah tiens, t'es gaucher? Non, non. Non mais t'écris de la gauche, là. T'es fort en devinette? Bizarre, ça, comment vous écrivez? Comment vous faites? Je suis gaucher. Mais le pire décalage... L'homme et la femme. Tu vois, t'es pas comme les autres garçons. T'es ma confidente. Avec un truc en plus. Oui. Y'a aucune arrière-pensée entre nous. Aucune arrière-pensée. Je sais que ce sera que de l'amitié. Tout à fait. Voilà. En fait, on peut rester nous-mêmes, quoi. Hein. Si t'as envie de picoler, tu picoles. Si t'as pas envie de picoler, tu picoles pas. Si t'as envie de boire du café, tu bois du café. Si t'aimes pas le poulet, t'aimes pas le poulet. Je veux dire, voilà. Et le plus important, j'espère que vous avez retenu, c'est garder son identité. Voilà.